Mbote balaninye sotu ya Chile officier télévision eza bonga mopanse na bino TBC mayo papa na Roland mobali ya mwasi moko ne na baga bo s'abonner massivement à travers chaîne ou en tout cas vous avez information bien information source vraiment oui aussi nga ke bo na pembe information bien na cousin sa te copé sa moti na mette rafi tite na muto mo place za mbote na yo et puis na pesi mbote na maman divine depuis les États-Unis d'Amérique parce que mbote na yo en tout cas rendez tout cela qui vraiment, je suis monté, je suis confrère, Jires, bonjour. Voilà, bonjour TBC Mayao, vraiment. Voilà, tous ensemble, vraiment. Tout, l'émission habituelle est là pour nous voir. Mutumunene yamboka oyo tumusolo lani mambo ibili bimu zonda biso partout na monde entier donc voilà. Voilà donc invité na biso spécial na mokolo ya lelo honorable Boni na janvier na ye to développer vraiment moi makambu ibili bili sans plus tarder Montréal sur le fond na biso to yamba honorable janvier Bonina. Bonjour honorable. Bonjour papa Nisa. Boni santé. Zamba zo batela. Zamba zo batela. Papa honorable Aza marié. Ah oui. Ah, je vais aller au 50 ans. Son père là célibataire là à suspect. Je suis marié. Père de plusieurs enfants. Merci honorable. Toki ko banda malamo honorable vie sociale par rapport au Ningi Zalaka ya na 4e République et puis na 5e République en tout cas toujours mon avis sur ça puis ils ont dingue monté. Au juste, c'est tout, ils appellent Nani, et puis tout le monde a dollar, Mikolo na Mikolo, ils allent au matin. Bon, merci Mingi. Na koninga d'abord, na contextualiser Maloba Nangai. Parce que très souvent, à la RDC, l'opinion est tendancieuse. Ceux qui battent la majorité, pas une parole, Bakoloba Makambounio, son chef de l'État, le Sala. Les gens le voient à 7 jours et en Zambé, tout est parfait, il n'y a pas de l'heure. Ceux qui peuvent battre l'opposition, passer un message, balancer l'opinion à Bango, ils vont tout condamner comme si le chef de l'État ne faisait que des choses mauvaises, c'est-à-dire liées à l'apôtre et à diable. Mais moi, j'ai fait un effort ici, il y a Bilili Nabino, il y a pour éclairer la lanterne. La ligne vraiment tout ça l'analyse beaucoup très objective pour Napoli ou Congo. Et si la malam ou elle est, tout bien en malam. Et si la pima pays allé, tout bien en haut, ma pays. Alors il est vrai que depuis l'élection, il y a un nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, battante et la population, ils ont bêlé. Parce que l'UDPS, c'est un parti qui a beaucoup lutté. À mon avis, la défaillance, il y a un régime rebelle en place. Pour la deuxième république, si papa Kabila le père, Kabila le fils, l'UDPS c'était une grande école qui a eu le temps. Il y a pour ça le diagnostic. Pour y avoir les pourquoi de comment. Alors c'est ce parti-là qui était très bien outillé pour que une fois au pouvoir, ma faiblesse est à la minorité. Alors, en mon sens, par rapport à ce qu'on attendait, la UDPS, bilan est à la moisse. Parce que Bango Bazal le rôle à Mobutu t'a une armée bâtie sur pouvoir. Bon, honorable, s'il vous plaît, par rapport à nos lobbies que non, moi, ils en a moisse. Tout est que sortie médiatique, il y a secrétaire général UDPS. Je vais retourner ma question à Augustin Kabuya. Mais le bilan est vraiment positif. Il y a un bilan, surtout aux AP qui ont postulé en 2023. Est-ce que l'analyse est pour le peuple congolais? Alors, pour le peuple congolais, ce que je vais faire, moi je relève les faits. Et chacun fait son mieux. Nous avons parlé de faits. Voilà. Sur le plan économique, on va analyser. Sur le plan administration, nous allons analyser. Sur le plan armé, sur le plan social, sur le plan enseignement, nous allons analyser. Et chacun en a mes consciences.
à colobateur, bilan à mon compte est positif. Ou bien bilan à mon compte est négatif. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour relever les faits. Je préfère un discours intelligent et intelligible plutôt que Nazala avocat ou bien bourreau et à régime. Ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est l'avancement de la République. Parce que même avec les idées que nous allons exposer ici, je ne suis pas en train de dire « Ah, Fatia Lombapo, un jour, on va pour ma présence, ça, c'est là-bas. » Je les mets à la disposition des dirigeants qui sont en place, notamment de l'Osso de l'Italie, président Fatia. Ce qui va aider, il n'y a pas pour ça, c'est là pour qu'il y ait avancé. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que nous demandons. Parce que toujours souhaiter échec n'a été. Moi, personnellement, je souhaite que le président réussisse. Parce que qui dit sa réussite, dit le bonheur des Congolais. Voilà tout. Voilà, honorable Bonina, oui, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le remaniement parce qu'ils ne décortent pas tout, surtout qu'ils votent pour ça, Vital Kamerhe, ministre de l'économie. Pendant que le dossier a 100 jours, tout le monde a clarté, tout le monde a clarté. Tout le monde, Jean-Pierre Mbemba Mbalamoko, c'est ministre de la Défense. Il y a beaucoup de gens qui ont sous-estimé Nina Bangwana Pesaki Bang. En tant que yo, analyse nous ça par rapport à deux personnes. Bon, Motuno Botuni est malade. Mais Motuno Botuni Bosso, tu es épuisé dans le dé. Il y a bilan et il y a Mokon. Avec votre permission, nous avons étayé quelques aspects pour nous consulter la question qui concerne le gouvernement sans malheureusement des deux. Alors, moi personnellement, j'ai dit deux choses. D'abord, l'UDP au pouvoir, c'est une bonne chose. En tout cas, c'était une bonne chose pour notre République. Parce que moi-même, j'ai été au sein de l'UDP, ma candidature à Mme Bélé. Le président de la République, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de volonté, ça il faut le dire. Mais là où le bas blesse, c'est dans la réalité et dans la pratique, à ce niveau-là. Je cite de faire, moi le président a eu l'histoire de la gratuité en ce moment. Ça personne ne peut nier. C'est une disposition bien que constitutionnelle. Ils allaient dans le frigo. Motabili Siango a tient un mot sur la place publique, c'est le chef de l'État. Mais on peut reprocher le manque de préparation. Parce que la gratuité d'enseignement ne veut pas dire que le mécanisme d'enseignement en soi est gratuit. Donc même si par rapport aux consommateurs congolais, c'est-à-dire la jeunesse, les enfants, depuis l'école primaire, l'école maternelle, primaire, secondaire, même si par rapport aux consommateurs, c'est gratuit, mais la production de l'enseignement, on n'est pas dit la servition, parce que c'est un terme un peu compliqué. Enseignement est un service. Dans le fait de produire, on parle de servition. La production de l'enseignement n'est pas gratuite. Alors, manque de préparation à ce niveau-là en amont, donc on a eu beaucoup de conflits catholiques, conflits massifs, on a enseignement basé à payer. Mais j'ai fait la part des choses. Je dis l'intention du chef de l'État est bonne. Que cette gratuité profite à la population congolaise, c'est bien, mais on a pêché un tout petit peu dans le niveau de la préparative. Mais je crois que, comme toute politique, il y a moyen de corriger. Voilà. Alors, sur aujourd'hui, domaine net, il y a soit parler de la ménagère. Et regardons ce que consomme le Congolais. Pendant 5 ans, le panier de la ménagère n'a fait que mincir. C'est-à-dire, Congolais lobby, soit Zalaï Koulia, Lipamoko, Lipamoui Bandiko Konda, Tinelo. Alors ça, Kambouya ne peut pas modifier ça. Matungou, l'automate, pilipili, ndenge, Eza, prix Eza pour grimper dans le marché, ça, Kambouya ou pas Kambouya, c'est la réalité. Où il y a vie et coupe ma carte. Moi, je me rappelle, quand le président a eu le pouvoir, coupe Amadeu, c'était à 1200. Aujourd'hui, c'est à 3800. Bon, on a une école de primaire, tu as une addition. Il n'y a pas même pas d'addition, tu as une multiplication. Très bien. Si quelqu'un va dire que sur ce plan, le bilan est positif, ça n'engage que lui. Mais moi, comme j'ai dit au départ, je cite les faits. Alors, c'est vrai que le chef de l'État a hérité dans la situation un peu moins compliquée, mais il y a des améliorations.
soit au à côté à bas salaire côté qu'on a chef de l'État mais qui kobunda à tous les n'importe côté dit quand même maman côté wana oui en ce qui concerne la, les conditions de vie des Congolais en tout cas et ça n'a c'est makasi ça est comme ça compliqué on voit même la mendicité et s'est multiplié quand bien l'article est déçu en gros mais surtout est comme une dimension au sous joie. On a assisté il y a deux ans à un scénario où il y a Thompson et Gokita. Gokita, voilà. C'est pour lui qu'il soit dans le tigre à la gare. Oui, oui. Sur ce plan, ça a été un échec patent. Et moi, pendant que les gens se battaient, pendant que le ministre de l'économie, d'ailleurs, je crois qu'il est parti. Oui. Non, il n'y a pas battu en Namibie, on a négocié nous-mêmes à la source. Mais je disais, mais au lieu de. Il n'y a pas battu en Namibie. Mais nous, les Congolais ici, nous sommes capables de produire sur place. Réfléchissons, agissons en toute intelligence. Nous avons un pays de près de 100 millions d'habitants. C'est un sous-continent. On ne peut pas se contenter d'importer. Les Congolais, nous avons 26 provinces à vocation agricole. C'est ridicule que tout un gouvernement a se focalisé sur l'importation de quelques denrées alimentaires. Mais il suffit de piloter, d'avoir une politique agricole. D'ailleurs, je regrette que Sama Lukonde 1 et Sama Lukonde 2, le ministère de l'Agriculture, la pêche et l'élevage, ils ont toujours relayé. D'aucuns diraient que non, le ministère en a besoin, ils ont élevé pour naïs à la moussa. Mais il y a quand même derrière cette hiérarchisation, c'est-à-dire primature, vice-primature, ministère d'État, dans le ministère ordinaire, derrière ça, il y a l'idée, il y a considération, il y a importance pour le ministère. Et l'agriculture qui est censée nourrir les Congolais, ils ont relégué dans le bas de l'échelle. Et l'agriculture surtout qui est censée créer des emplois, parce que le secteur Rwanda est co-créé, Misala et Bénin. Le chef de l'État a parlé de la création de la classe moyenne. Botou na Kabouya. Si nous avons une classe moyenne aujourd'hui au Congo après près de 5 ans, nous n'avons même pas commencé les débuts. Nous n'avons même pas création à classe. Mais est-ce que nous avons commencé les débuts de cette création? Non. Alors quand on fait parler les faits, quand on interroge les faits, vous comprenez que les conclusions des uns et des autres, ils ont habillé na robe moko partisane. Et ça, ça tue le pays. Ce qu'il est important ici, c'est de mettre de suggérer des recettes au président de la République et à son gouvernement pour qu'ensemble, eux qui ont les commandements des institutions de la République, battent en toute intelligence comment éclairer leur politique économique. Parce que politique économique, ils ont la majorité, ils ont l'opposition. Il n'y a qu'une bonne politique et une mauvaise politique. Et comment on sait qu'une politique est bonne ou qu'elle est mauvaise? C'est par rapport à ses résultats, à ses effets sur le terrain. Nous avons quelques dossiers, nous avons alimenté plus. Je vais plus loin. Toza, à Kinshasa, avant même, c'est l'agglomération, il y a le plus grand nombre d'habitants. Bon, malgré, si tu n'as pas de statistiques, je pensais que ça allait être ressuscité parce que sans statistiques, nous naviguons à vue. J'ouvre une parenthèse là. Statistiques, c'est le tableau de bord de la voiture. Je dis que ah, ma foute. Hein? Ah, et pelé rouge, ma foute ici. Place où yo, ah, et puis il y a comme il y a E, carburant, il y a ici, là, il n'y a pas de sèche. Kouna, ils ont la ceinture, elle a dit ceinture de la sécurité. Ah, ils ont la portière. Les statistiques, ce n'est pas du blablabla. Statistiques, ils ont permis au gouvernement à s'appuyer sur ces données, surtout démographiques, voire économiques, pour y yéba, comment agir. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on veut construire 1000 écoles. Comment on répartit ces écoles? Et après, on va nous botter le bien. Ah, toi, tu as 10 écoles dans l'autre où il est. Toi, tu as 9 écoles dans Bouende. Toi, tu as 6 écoles dans Lodja. Ça, c'est de, c'est de l'aventurisme. Ce n'est pas être sérieux. Dans un pays où les politiques sont sérieux et qui veulent réellement faire le travail, il faut s'appuyer sur l'institut où on a. Il y a ma donnée statistique. Que cette institution soit encore en berne jusqu'à aujourd'hui, ça prouve que quelque part, il y a des insuffisances. Alors moi, je relève le fait, et dans la vie, maintenant, vous trouvez la conclusion. Regardez, j'ai parlé de la ville de Kinshasa. Plus de 15 millions d'habitants. Nous avons le Bandundu qui peut alimenter
Kinshasa. Nous avons le Congo central. Mais vous vous rappelez, nous sommes tous en classe. Stanley disait, sans le chemin de fer, le Congo ne va pas. Ça fait 5 ans que nous sommes là. Mais nous avons besoin de chantier à chemin de fer. Alors que dans le domaine, il y a transport. Dans un sous-continent, le chemin de fer doit fonctionner. Alors, tu sais, le chef de l'État, tu as 5 ans à salarié son nom. Il ne faut pas accabler le chef de l'État. Mais pour vous centrer, Kinshasa, Matadi, on peut redynamiser ce chemin de fer. Tout ça focalisé sur la route. Route et même Makabilo, on a tonnage, on a 6 et on a coût élevé. Donc, le route à Congo central, il y a toujours cher. Mais si on va aménager, va ressusciter chemin de fer Kinshasa, Matadi, tous les agriculteurs du Congo central vont se retrouver. Et je vous dis, en 2023, le président n'a même pas besoin qu'il travaille dans la campagne. Parce que maman, elle n'a pas ça qui n'a pas été. Elle a dit que dans telle heure, je parle de Bitabé, mais c'est valable dans tous les domaines. Voilà. Et à ce niveau-là, si les agriculteurs sont soutenus dans leur activité, il y a création d'emplois. Parce que les agriculteurs sont attaqués, ça qui n'a pas mis balai. L'objet en a besoin à étendre la production, à optimiser. Il ne va pas tout faire tout seul. Il sera obligé d'embaucher. C'est comme ça qu'on crée des emplois. Aujourd'hui, quand il y a des fruits, les autres, je m'attaque seulement à Congo central. Vous voyez, moi, je suis de l'Équateur. Mais je suis intéressé par le développement du Congo central. Voilà. Pour comprendre déjà que je ne suis pas un tribalo. Je suis un Congolais. Congolais, voilà. Aujourd'hui, M. Julien Paloukou, à Zakounana, à Zakounana, piloté ministère et industrie. Aujourd'hui, ministre de l'économie, ça coûte quoi d'organiser les agriculteurs congolais et puis couper sa bango les moyens et à organiser transformation à ma produit là-bas. Nous ne sommes quand même pas les plus idiots. On a été dans des universités il y a un monde entier. On n'a pas été les derniers. On a bien défendu l'intelligence congolaise. Mais faisons quand même les choses comme il se doit, parce que l'intelligence, ce n'est pas les diplômes obtenus. L'intelligence, c'est la capacité qu'a un individu de donner des solutions aux problèmes posés. Si face à nos problèmes, nous sommes incapables d'apporter des solutions, je me demande si nous sommes intelligents. Je ne parle même pas des compétences. Donc, dans le domaine où on a, comment on peut financer la petite, tout comme même au niveau industriel, financer l'artisanat, tout banana, malem, c'est moins coûteux pour l'État. Et puis, ça permet, il y a un agriculteur qui ne pas à la phase 2. Voilà comment on crée des emplois. Si on met des industries de transformation agroalimentaire dans le Congo central, dans les banques, nous commençons à créer. Mais avant ça, il y a un grand chantier. Et je pense que le BABA, c'est le chantier initial de tous les chantiers. C'est le chantier au même chef de l'État. Et c'est là qu'il y a ça l'ango avant que nous soyons investisseurs. C'est quoi? C'est l'électricité. Moi-même, je suis ici, vous serez d'accord avec moi. Sauf qu'il y a un petit salon de coiffure, il suffit pour un kata. Mais il y a un kata souffle qui est exacté. Bon, je suppose que vous avez un million d'euros pour investir dans ce que vous avez commis pour rentrer. Mais vous tiquez, chef de l'État, tant que nous avons un temps pour l'investisseur, les investisseurs vont se poser la question. Donc, pour ça, la usine Oyo, il y a des cortiqueuses, na Bumba. Et l'eau sort, ils allaient à et permettre aux Congolais d'aller à bien. Allez, voilà. Bumba, on pourrait les arrêter. L'investisseur fait quoi? Il vient travailler avec les panneaux solaires. C'est hyper coûteux. Si on a bali pour décortiquer l'eau sur Bumba, dans panneau solaire, qui l'on voit à l'eau sur son bango, on a $25, qui va consommer. Donc, avant même de faire cette tournée, j'ai dit le chantier des chantiers, c'est l'électricité. Il faut commencer par là. Et à ce niveau-là, mettre un lobbying qui va négocier, parce que moi je vous dis, moi à la place du chef de l'État, au moins bien que dans la COP21, tous ces rassemblements autour de l'environnement. Mais j'ai fait du chantage à la communauté internationale. Aider les Congo à s'électrifier. Ce qui pour aider, c'est quatre banzettes, tout ça dans mon macal. Parce que les Congolais doivent manger. Et comme la communauté internationale, bah, que ils ont besoin de la présence de la forêt équatoriale. Pour na, et nettoyer. Je ne vais pas dans les termes techniques, vous comprenez, les pollutions et consorts.
bon biango et là qu'on nettoie le gaz carbonique et ça n'a qu'à dire où ils ont besoin d'oxygène, ils auront besoin de la protection à Mabele. Ah, donc les Congolais ils nous posent un problème pour pas consommer banzete ou anate. Il faut tout aider Maro na finalisation à barrage à Inga. Vous verrez que ce chantier, ce barrage là est au coma un problème international parce que la forêt équatoriale et la forêt ils ont joué le premier rôle sur le plan environnemental. Mais nous sommes même incapables d'avoir l'intelligence de Yakotia, communauté internationale, dos au mur pour pas comprendre. Et si vous ne nous aidez pas dans ça, nous allons tous sombrer parce que nous allons consommer cette forêt-là. Mmh. Poser de cette manière, au moins dans le Congo, à Outa, on a 1,5 million, Mbappé, c'est l'Afrique du Sud, plus de 10 milliards, je crois. Milliards. Et nous, on nous donne 1,5 milliard. Voilà. Et ce n'est même pas donné comme ça, ils aillent à Namoudam. Mmh. Pourquoi Bazo paie sa tête? Parce que Bazo, mon athée, la tête de paie, c'est pas un milliard, pas ça, non. Mais si tu posais le problème de cette façon-là, Sabino, c'est à nous de trouver des solutions aux problèmes congolais. Il suffit de savoir comment les présenter. Torobi Marambois social. J'ai parlé à Wamata Taponi, à Zalabi Marambois transport, à Ké, à Soumbabis, à Mbibimba, à Yenamoko, à transport et à Congo. Les gens étaient contents. Oui, oui, transport. Mais ils n'ont pas vu que c'était une grosse bêtise. Bon, tu n'as bien une bêtise, n'est-ce pas? Mais quand on va expliquer. Ok. Oui, Ista. Ista, monsieur. Ista, Isalia. IBTP, INPP, on forme ces gens-là pourquoi? Pour l'oubli, papa, n'a pas été dans l'unité. Non, il faut leur trouver de l'emploi, oui. Création d'emplois au Banawa. Voilà. Mais un mégapole, le la ville à Kinshasa, au transport, aux Arangos, besoin tout le temps. Mm. On se permet d'aller acheter des bus entiers et à Etambola, mais nous avons des chômeurs, des jeunes au pays. Pourquoi ne pas aller acheter des pièces détachées? Et cause à la moins cher, moins coûteux. Un bus, soit pour foutre le transport dans la voie maritime, ça coûte ce que ça coûte. Un bus, c'est à peu près c'est 2 à 3 conteneurs. Mais là, quand il y a 2 à 3 conteneurs, sont dotés par pièces détachées. La place, il y a transport, il y a bus, on va avoir 15 bus. Mais si nous demandons à ces entreprises-là, au lieu de voter que la mission de bus, venez installer ça, votre unité de rassemblement. C'est là que les jeunes de l'ISTA, de l'IBTP, et même les jeunes nous sont là, c'est là qu'ils vont trouver des emplois. Nous, puisque nous avons des emplois, vous avez des jeunes et prières autour de ça à l'église. Ce n'est pas comme ça. Ce qui là où on peut créer des emplois, dans le domaine, il y a création, il y a Babus, tout zappé en haut parce qu'on bon, comprend, il y a que nous avons des rétro-commissions, et là que nous sommes Bakuna. Là, nous n'aimons pas notre pays. Et vous verrez que. Nous n'allons pas créer des emplois. On aura à la place, tous les gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire 21h. Et on se demande comment on va résorber la délinquance juvénile. On voit comment les tout est géré. On a autour le bar. Ce qui est à Bouya, à l'Obi, à l'Obi, à l'Obi, la population va apprécier. Ça m'a le compte des deux. La nomination à Vital Kamerhe, à Jean-Pierre Mbemba. D'abord, on a étalé ça m'a le compte des deux. Vous devez d'abord constater que Sam Maloukonde, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il gagne, voilà. Ce qui le président a changé, bah, Warrior, c'est que bah, Warrior a bah, commis place et il y a la règle au souhaité. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, de ce côté-là, le bilan était positif, mais le président a changé de gouvernement. Il faut demander, Nabato, il n'y a pas besoin de comprendre quelque chose. Maintenant que c'est arrivé, bon, il y a des choses où on peut commenter, mais je préfère qu'on ne s'attarde pas là-dessus. Parce que nous sommes le seul pays où un innocent, Vital Kamerhe, un innocent comment? Parce que tout le monde, tout le peuple, Oyo, batala qui dossier, on a balandé la qui descend, bah yebi que notre dossier 100 jours, il y a ma maison préfabriquée, tilelo, suite nango yeba na raté ba kanga Kamerhe ba katela 20 ans. Subitement ba quitter mutu kakaboye, likamona za flou. Et après Kobima ya mutu, même pas une année ba nommé ministre ya économie. Ngana on s'est contenté la décision de justice. Nous sommes le seul pays où ba juge un innocent mais condamné 20 ans. Si on va libérer Moutouana, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait un juge. Pour nous, Azaki, innocent.
justice même de Salima B. Mon opinion ne compte pas. Ce que je constate seulement, 56 millions ont disparu. Où et qui dans la nature. On n'a pas trouvé les honorable, tout le monde place à nous. On retrouve tout. Place à nous, ils ont qui maintenant. On peut pas se faire. On peut pas se faire. On aurait dernière question pour la Marmo Italie politique. Non, mais sur le plan politique, mais je pense que même pour la Yemoko Vital, ce n'était pas bon à jouer ici. Surtout pas dans l'économie. Surtout. Vu que moi, je traite son dossier comme étant innocent. Mais vu qu'il y a eu des quoi dans la compréhension de la population, les avis sont partagés, c'est un peu mitigé. En tout cas, pour sa dignité, il fallait. Sauf qu'à vous en a gouvernement, vous allez atteindre le ministère de la recherche scientifique. Et ce qu'on va devoir soupçonner, au-delà des personnes, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des idées et des projets. Mais est-ce que l'Union sacrée a un véritable projet économique? C'est ça le point d'interrogation. S'il y a un véritable projet économique, en ce moment, il sera là, il va animer, on verra que ça va bien se passer. Mais s'il n'y a pas de projet, au Mungouda, à l'Obaga, va changer qu'un chauffeur, mais. Ça sera difficile, tout aboutir à un changement. Moi, j'ai comme l'impression, bon, je suis ministre, Bati, Yohana, Vessé, Master, bon, on est là, Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un projet économique, union sacrée. Et celui qui vient, il vient pour rendre, habiller ce projet, faire en sorte que ce projet prenne corps. Mais moi, je n'ai pas vu quelque part un projet économique dans ce sens-là. Il y a des idées pêle-mêle, colmatées. Est-ce que dans ces conditions, on va aboutir à quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un miracle qui s'appellerait Vital Kamer. Honorable Motuna Souka pour la Maramo Italie politique, tout le monde qui est gouverné, vice-gouverné, bouki, parce que tout le peuple a tombé, parce que c'est et puis tout c'est la nini, parce que tissuko, peuple a zolé la gare pour la Maramo Italie zando, bouka zando, a ta brique moko, nanou, batira kotiate, mais n'engue bande gouverné, vice-gouverné, bouki, awa, peuple a zé la nini. Motuna Lobiwana est la solo. Ce qui me dérange au Congo, c'est que les politiques sont dans l'improvisation. Quand vous regardez tout ce qui se fait dans ce pays, en tout cas presque, c'est dans l'improvisation. Ils ont beau quand il faut les condamner, vous les condamnez les deux. Voilà. Je veux dire quoi? L'État est une personne morale. Complicité, il y a l'État. Parce que nous avons une administration faible. Lorsque vous engagez quelqu'un qui donne une autorisation de bâtir à un Congolais, après ça, en tant que membre, en tant que sécurité, après ça, en tant que fonctionnaire revêtu par l'autorité de l'État, il est le représentant dans l'actuel au salaire, parce que les compétences sont des pésamélies, à distribuer l'autorisation de bâtir Boulouyek. Tant ma béillé, vous condamnez les Congolais, mais vous protégez l'État. L'État a l'obligation d'indemniser ceux-là. Surtout, bon, bah, on va que non. Place où on a la joie autorisation. Place où on a bâti ça, on a l'année la procédure. Parce que tout le monde a retourné depuis la Deuxième République. Au coup, on a l'État, il y a qui, c'est lui qui vient quelques années plus tard, à raser, et puis rassurez-vous, au moins, trois ans plus tard, place. Mais si on commence à sanctionner, et c'est lui qui a construit. Et c'est lui qui avait permis, au nom de sa fonction, que ce Congolais-là a bâti une séquence. On sanctionne les deux, fonctionnaires et assimilés. Quoi, ça, la pistole, là, ça, là. Il va réfléchir. Voilà. Là, on est dans le deux poids, deux mesures, ça ne marche pas. Pour moi, dans ce cas, il mérite pas à l'indemniser. Mais en même temps, j'attire l'attention de la population congolaise, tout le monde, la construction anarchique, faisons attention. Faisons attention parce que l'État azali n'a pouvoir au Babengaga, il y a violence légitime au nom de l'intérêt communautaire, au nom de l'intérêt suprême. Il y a Mboka à Koki qui marche dessus, il y a un intérêt, il y a un particulier. Donc soyons vigilants, mais surtout vigilance, tout ça au condamné Mink, complicité, il y a un fonctionnaire au Bazawana pour n'avoir combine, au moins au gouvernement ça permet. Écoute, je viens de voir quelque part moi-même, ça je suis témoin.
quelque part na je dirais pas le quartier sinon tu na oya ko na ngana tanga ko mais ben gamba ciblé beaucoup mais voilà ba tu baye babuki ba comme la place na maman na tonga moi studio moko et déborda oh beaucoup mais ça le bino lundi on nous tika moi ça pour babu na yo monde hein c'est comme ça et lelo en tant qu'acteur politique na ki na outi tikuna quand on a bango ndeni ote baya oboka parce que maman a solo la tête soyons sérieux. Et l'un de c'est là que au-delà de Makamba Kubuka, je veux interpeller le gouvernement. Mboka est en Bolakate sans une bonne administration. L'administration, c'est la colonne vertébrale d'une nation. C'est-à-dire Makambo, tout au long de ça, l'administration est si bien. Du temps de Mobutu, on comprend c'est une autre époque. Bah, oui, mais nous vivons à l'ère numérique où il y a possibilité de centraliser les informations, de traiter, de gérer informations sur le mois d'un point A à un point B, la fraction à seconde. Mais, et yo, mon conseil a un ministère il y a numérique. Mais vous allez trouver ici dans ce pays, cette parcelle n'est pas à vendre. C'est-à-dire, ah, pour la confiance à l'administration, c'est-à-dire qu'il y a mon corps. Ami comme la Namur. Nous ne comprenons pas que c'est une insulte d'intelligence et d'administration à Congo. Et là-dessus, j'ai l'impression que rien ne se fait. Voilà. Et nous avons un bilan positif, même sur le plan d'administration, il y a un problème. Voilà. Il y a encore un problème, Makambaramo. Justin Kabuya, il y a eu à ce qu'on a eu à Makambaramo, on a été à Yébi, puis Makambaramo, on a été à l'Obakango, on va confondre avec son top Congo, il s'agit de public Mawa. Il y a eu à Yébi, Makambaramo, on a été tout ça, tout ça. Bon. Je vais commenter pour que vous ayez un mot privé. Voilà. Mais tout ce que je peux dire d'une manière générale, même les idiots au Congo ont compris l'arabe. Voilà. Cette forme de scotéry, où ils allaient bon oui. Assiette, nango, acte générateur, dans le Parlement. Et le ministre qui passe à s'élève un bon matin, il commence à traquer les Congolais partout où ils sont par cette forme de scotéry. Je pense que Ebimisa qui n'a fait là-bas 300 millions. Quand il y a une commande qui va être 300 millions, c'est que c'est faux. Vrai chiffre, Ebanité. Mais malgré ça, et si quand bon, on est là, tu y es pété, mais le président a pris quand même le luxe, il y a pour reconduire. Moi, les bandeliers, on attend Maramouane et Zako Pélan, on va dire, ah, le président, c'est quand même son beau-frère. Oui. On voit son beau-frère. Mais il aurait dû profiter, dans sa maloukoune des deux, ça m'a stabilisé. Non, ça. Normalement. Bon, par rapport à l'événement, il y a bon banana. Mais vous comprenez dans notre pays, je ne sais pas, parce que nous avons le président Félix, nous avons la bonne volonté. Bon, bah, raté nous sous, nous avons compris la raté. Parce que nous avons parlé, Vital Kamel, ma bombe dans la prison, il y a lobby, c'est un citoyen honnête. Mais il y a c'est le magistrat numéro 1. Voilà. Comment citoyen honnête, voilà, on a bah, la bonne volonté. Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Donc, moto et mon maram, et l'humanité, c'est que ça. Papa, 300 millions, c'est combien d'écoles? Ah, c'est beaucoup. Combien d'hôpitaux? Combien de kilomètres à Balabana? Combien d'usines de notre local? Combien de centres de formation? Nous sommes obligés, il faut, les Japonais, les Japonais, les PP pour tous les trucs. Sauf que dans les 26 provinces, nous avons combien de centres de formation? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses. De Senga et Salam. Ouais. Beaucoup. Hein? Quand je dis beaucoup, non, le bateau, bah, nous sommes à la terre. Quand le président n'a pas de na batunaye, mais batou n'a rendu, bah, occupé au tout, je dirais pas batou n'a rendu parce que ce serait manquer de respect. Bah, occupé au tout, bah, comme on est, nous sommes dans un dambo maïel, bah, bah, c'est là-bas, on a un dambo basan à mon pot et fonctionner. Il y a beaucoup de faiblesses, papa, dans le fan. La vente dans l'ambo, on a vendu dans le fessier, j'ai mal à la tête. Ouais. Tala histoire de Baba Nyamouling. Communauté Mouboué, Botamakaboué, Baba Nyamouling. Dans un pays où il y a les administrateurs du territoire. Un administrateur du territoire, c'est 21 jours d'itinérance. Il faut que nous sommes dans le territoire, nous allons passer ce qui se passe, à s'imprégner dans la réalité. Est-ce qu'au Congo, ici, ces administrateurs du territoire sont véhiculés? Est-ce qu'ils ont même des motos? Est-ce qu'ils ont des outils qu'on a au sein de ça là-bas? Non. Parce que le développement, bon, ils ont amené ce truc. Mais cet administrateur du territoire, n'a quoi au Yazali, puisqu'il ne fait pas d'itinérance, alors, ce grand jour, la communauté Mouboué,
Il était où? Allez, la dernière passage. Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et aujourd'hui, là, quand je parle de l'administrateur, des administrateurs du territoire, je vise le ministère intérieur. Mmh. Ils ont même vice-primature. Aujourd'hui, c'est M. Peter Kazadi. Peter Kazadi. Asselo est parti. M. Peter Kazadi. Ceux qui ont joué l'Andangaï, ne vous contentez pas de salut aux policiers, aux pèses à la table, aux types et côtés dans le ministère, aux rogues à moutou et vimbi. Ce n'est pas pour ça que vous êtes vice-premier ministre. Il y a de la tracasserie dans le Congo, dans le niveau de la moukété. Quand vous êtes dans le Congo, maman, vous êtes dans le Congo, dans le Congo, dans le fleuve, vous allez vous rendre compte que ce sont des étrangers chez eux. Tracasserie, Luka, Luka. Otia un peu de clarté parce que c'est quand même le gouvernement et le peuple d'abord. Mmh. Tracasser l'équipe Makasi, ces mamans ne se retrouvent pas. Ils sont étrangers. Baza, quand je dis ils, n'a pas maman, n'a pas papa. Baza, bah étranger. Bah service, il y a ce que je voudrais. Bah ça, dans beaucoup, c'est un manuel de procédure. Manuel de procédure, c'est-à-dire, maman, ou commerçant à Zouta, n'a certain, on va dire qu'il y a un manuel de procédure. Tel service, bah là, on a droit. Il y a aussi un gars par les dévances. Ce qui s'est réussi dans la carte, il y a un manuel de procédure. C'est Kaza Mouyibi. N'entretenez pas cette pêche en nos troubles. Parce que c'est une sorte de complicité passive. Il y a Bino, bah, dirigeant la mission. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, allez montrer au secrétaire général, il dépense à mon et Makambi Béli, à ça, tout le monde ne bénéficie pas d'un confort, il y a Badjipo, il y a Tamboura. Les autres souffrent. Pour à côté, comme moi, ça qui n'a pas, il y a l'osso. Moi, ça qui n'a rien à foufou, nous avons le devoir de rendre agréable la qualité de vie de ses concitoyens. Et je cite ça, mais on peut en citer d'autres. Ouais. Regardez dans quel pays le policier, dans sa tenue, où ils ont gardé chaleur, à ça, Moussa n'a pas de conteneur, il y a du bende, dans le climat tropical. Ça, c'est l'insulte à l'autorité de l'État. Bambo Canyon, vous voyez, lorsque vous allez à la police, c'est un bâtiment très beau parce que là vous sentez que non, voilà. Dans un pas mort. Mmh, très bien. Ok, il n'a pas la justice. Et on m'a dit même, on ne peut pas avoir la Batonga, c'est ça. C'est pour que les justiciables, tant Oazoya, à se sentir petit devant l'autorité de l'État. Mais ils ont porté au côté dans le commissariat, mais même pièce dans le Kajibi, et si vous pouvez m'en foufou, il est plus propre que le bureau à commissaire. Vous avez. Le premier sentiment, c'est au moins un atelier, ça n'a pas vendu. Nous devons restaurer l'autorité de l'État. VPN, les policiers ont besoin d'être formés. La police, ce n'est pas un défensoir. Mais ils vont se comporter comme des boulons. Merci, honorable. Merci. Je pense que tu as la deuxième partie, Nabiso, parce que tu vas comprendre, on est allé acteur politique, Nabiso, tu es honorable, Bonini, en janvier. Par rapport à Makambo les gars Namboka. Voilà, tout ça continue dans l'émission, Nabiso, honorable, Bonini, en janvier. Honorable, voilà, tout le monde a comme Mingi, na ba descente na yo Mingi, aux alara Mingi mina ba artiste, ba musicien, ba comédien. Le lot ceux qui chance et monani na 2023 au côté na parlement, ba tout yo soutenara vraiment d'être ba artiste et comédien, ba musicien, ba tout dans en général ba artiste. Donc au rosala molobeli na bango kuna to aux alara na vision pour na bango parce que aujourd'hui les journées internationales il y a théâtre tout monde yo descend ces ali tout monde yo zaki na artiste comédien zaki na bango sali marche et puis pour na yo en tout cas et ça qui plaisir na batubele balanda qui ba monaki okoy koloba nini to oko soutenir bango to kozala molobeli na bango na parlement ou bien comment. En tout cas déjà depuis ma bord je n'attends pas d'être dans l'Assemblée nationale pendant le gouvernement. Voilà. Je le commence là. Très bien. Très bien. Nous sommes un pays culturellement riche. Voilà. Évidemment, comme on est dans l'improvisation, on est dans à peu près dans tous les secteurs, voilà. Domaine, il y a art, n'y échappe pas. Même le sport, vous allez constater, parce que vous allez battre ensemble. Ensemble. Dans le domaine art, dans le domaine culture, voilà. Il y a une absence totale de politique culturelle.
Très bien. Donc, Moutoubatier ministre, c'est un figurant avec son cabinet. Ils vont consommer l'argent de l'État. Et puis, malheureusement, les députés de la Assemblée nationale, ils observent. Je ne sais pas, je regrette même par rapport à Founawa. Au coup de Moussousou, 5 ans, il ne dit rien. Interpeller le gouvernement de la Assemblée. Moussousou peut, plus que ne rien dire, il passe son temps à dormir. Les autres, les réseaux sociaux. N'entend qu'à comboter, parce que par respect. Mais vous comprenez, les différentes cultures, c'est une richesse énorme pour ce grand pays. Nous sommes du Congo. Dieu connaît ce pays depuis tant Wabakoko. Personne ne peut nous dire le contraire. On n'a même pas attendu que les colons viennent avec la religion pour savoir que ce qu'on est pour découvrir Dieu. Non. Si Dieu ne nous connaissait pas, il ne nous aurait pas donné une terre aussi paradisiaque que ce Congo. Donc Dieu nous connaît. Et dans chaque tribu, dans chaque ethnie, dans chaque clan, il y a une richesse culturelle. Et je pense que tant que Moutaza ministre de la culture, il est là pour faire en sorte à valoriser notre culture, parce que c'est ça notre identité, c'est ça notre ADN. Je ne suis pas pour le tribalisme politique, mais je suis pour le tribalisme culturel, parce que tout est bon gâté, tout s'enrichir dans l'union soirée. Tant que nous avons une voiture, dans la musique, dans la tête, là, ça me fait du bien. Et le monde a tambour dans la musique, il y a un song, et ça l'a bien. Et le monde a monimoto aji, il y a maman tchala, ça me fait du bien. Là, je parle de la musique, mais sur le plan théâtral aussi. Est-ce que vous voyez que ils ont la théâtre, ils ont la cinéma, ils ont la danse, et tout ce que nous voyons là, ils ont la action thérapeutique dans d'autres. Posez cette question aux médecins neurologues spécialistes. Aux psychiatres, voilà. Ils vont vous le dire. Bakamata, un mois, va décréter un mois dans le Congo sans musique, sans cinéma, sans théâtre. Au moins, un nombre de fous ne peut se multiplier. Vraiment. Donc, tant que vous avez quelque part, à ta musique, à ma tanga, au lieu qu'une amour bien, mais cerveau dans le subconscient est enregistré et ils ont qu'on adoucit l'humeur et l'amour. Ils ont qu'on entretenir. C'est comme ça qu'on a les contraires. Somme doit raisonner trop, à côté de trop dans ma gamonaye, à mon pouce à la permettre à AVC. Vraiment. Et là, la musique, le théâtre, ça soigne le peuple congolais. Si ceux qui nous gouvernent sont conscients de ce que moi je viens de dire ici, la culture ne peut pas être à l'abandon. Ici, le plus chanceux entre les artistes et comédiens, ce sont ceux à qui on achèterait un cercueil le jour de leur mort. Ah, Bakunda qui est dans ma gamonaye, bénéfice dans ma gamonaye. Oui. Mais pendant qu'ils sont vivants, très bien. Comment les faire évoluer? Comment les encadrer? Comment les accompagner? Tala lelo mboka lo la Nigeria a ses chances d'avoir un artiste. Mais un artiste comédien nigérien n'envie rien à un député. Oui, oui. C'est un entrepreneur en bonne et due forme qui fait évoluer son unité, qui vont se produire dans la dimension nationale, à l'international. Et c'est comme ça que ça se passe. Au Tali, j'ai appris même en Tanzanie, la même politique serait en train de se mettre en place, ce qui est Salamadi déjà dit. Chez nous, au Congo, dans ce grand pays, les artistes sont des orphelins ambulants. Alors qu'il y a tout un ministère qui les a dédiés dans à ce stade-là, je vous dis, sans Maloukonde, deux, ce qui ministre la justice et pardon, il y a culture et art. Et Azakolanda, il est temps à se battre à Moussa. Jusqu'ici, ce travail ne se fait pas et les comédiens sont plus presque abandonnés. Je parle des comédiens, mais je pourrais parler des artistes en général. Mais regardez, lorsqu'on parle des artistes en général, Tala Lelo, nos jeunes musiciens, quelqu'un comme Ipupa, il fait la fierté du Congo. Je dirais que c'est un entrepreneur parce qu'il doit avoir des musiciens qui vivent grâce à revenus générés par l'activité de Fali Ipupa. Quelqu'un comme Ferré, tel qu'il est là, c'est un entrepreneur. Ils font la fierté du Congo. Aujourd'hui même, Balek Moussouba Botamiawa, Fabregas, Robinho, tous ces gens-là, mais pas commis la stade Wana seul, sans l'accompagnement
de notre gouvernement. Sans l'encadrement, nous sommes quand même des responsables. Autres, ce sont des faits. Moi, je ne suis pas là pour parler bilan. Chacun fera son bilan. Mais je parle, j'évoque des faits et vous verrez. Merci, honorable, par rapport à l'éclaircissement. Mais, tout comme je suis là, dernière question. Dernière question, mes alliés, par rapport à la circoncision, tu as évité aux alliés honorables, aux alliés hommes politiques, aux alliés acteurs politiques. Voilà, tu as évité honorable Bonina Janvier, surtout dans le Parlement. Surtout l'artiste est comme tout ça, il y a un lobby qui est belé pour nous. En tout cas, merci tout d'abord, on a descendu aux alliés qui ont commenté le lobby. Tout habité, honorable Bounina Janvier, tous les laïo, wapi, bateau, bako voté, na wapi, ouza, na district nini, ouzala, provincial, to national, tout habité éclaircir, et me rako éclaircir, bateau, surtout partie ses comédiens, bazav maming na simana, baloba, tout poser aux questions, bazo zélara, au loba, au éclaircir bango, pour bazoyo wapi ba voter yo wapi ba voter yo wapi tant mama pona miko ya awa donc ozawana na micro na biso olobela bango vérité oyebisa bango éclaircir bango. D'abord merci beaucoup na ba artiste. J'ai senti qu'il y avait cette attente parce que dans la soirée na bango ils ont découvert en moi quelqu'un passionné de l'art, voilà, et quelqu'un qui avait des idées et qui maîtrisait son sujet. On a vu que lobby une fois la carte assemblée. En tout cas, dans la porte étendard, il y a Baptiste. Il y a Baptiste, il y a Kalam. Mais dans la porte étendard, il y a Baptiste congolais Nyonso. Comédien, musicien, cinéaste, peintre, sculpteur, dessinateur, tout ça, ce sont des artistes. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que campagne n'a le bandit. Mais je poserai ma candidature. Na district Yafuna. Ça sera pour la deuxième fois parce que en 2018 j'ai été un véritable candidat malheureux. Voilà. Vous êtes journaliste. Oui. Dans ma maison, j'ai mes PV avec 6020 voix. C'est l'occasion pour moi de féliciter toutes les mamans, tous les papas, tous les jeunes de la Funa qui avaient compris mon discours et qui m'avaient fait confiance parce que na salaire de campagne n'angaï sans argent. Voilà. Et quelqu'un disait, un homme sage, a dit, si vous faites quelque chose pour nous, sans nous, c'est que vous êtes contre nous. Alors, ça voudrait dire quoi? Chaque fois, j'essaierai avec des artistes pour n'avoir qu'à pas déshydrater la parole, tout réfléchir, tout à quel niveau les institutions de la République pourraient intervenir pour tracter tant soit peu notre culture. Ce qui est vrai pour les artistes, elle est aussi pour les jeunes, parce que je ne voulais pas dire, moi, mais je suis économiste et banquier financier de formation. Donc, ma tasse d'été, mon cheval de bataille, c'est la création d'emplois pour les jeunes. Parce que je considère que les artistes, s'ils se retrouvent dans ce qu'ils savent faire, et comme ils gagnent peine à Bango, ce sont des emplois créés déjà pour eux et pour les autres. Et puis, et que créer émulsion, et ça, là, que les jeunes sont basés au YA. Zalana, Bolingo Yako, Sala A. Et ça va entretenir notre culture. Dans ma domaine, je suis formateur, il y a des jeunes, la création d'entreprise, la éducoformer, conception, animation des projets, et ainsi de suite. Je voudrais vraiment, une fois le moment venu, tout ça là, pour permettre aux Congolais à améliorer qualité de vie, à améliorer conditions de vie. Parce que je vis dans la cité, Naza entre Yolo, Kauka, Selemba ou Bandal, je tourne là, Kasavubu, je vois la pauvreté, la miche. Moi, je suis là qui propre, bien habillé, tout, mais je suis là. Beaucoup boire. Cabine de l'eau, moi, 2000 francs pour l'année. Là, tu en as l'été. Il y a l'été. Alors, moi, c'est là-bas. Sors et moi, c'est là-bas, les années, je ne suis pas Zolo qu'à 2003. Pourtant, il a un potentiel. Et ce n'est pas un paresseux. Mais les opportunités ne s'offrent pas. Parce que les gens disent, oh, bah, qu'il n'y a pas de paresseux. C'est faux. Moi, en Europe, je suis entrepreneur. Les ouvriers congolais, quinois, sont parmi les meilleurs. Ils sont offrés par nos cadres. Ils sont parmi les meilleurs. Mais regardez le miracle.
nous sommes dans ce pays où il y a un nanda pour moko, papa Azali chômeur, Atanga chômeur, Yaya Assisi université chômeur, Balé qui baza ba chômeur, mais moi n'abamo sou quand la quatrième année primaire, 5 ans que n'a quand même autant, alinga quand même un diplôme, aye bika aujourd'hui ça t'es nadu, mais il va quand même étudier au Katakoni, ba parents ba offre télé ba frais scolaire, pardon, t'as la degré de motivation. J'ai été en Europe. L'un des jours, je me suis dit parce que je dis pourquoi je vais étudier. Pourtant, taux de chômage, c'est moins de 10%. Maintenant, pourquoi je vais étudier? Taux de chômage, on a 10% est démoralisé. Mais dans le Congo, taux de chômage, sur l'ongoli, l'employeur que nous appelons l'État, voilà, va fonctionner. Sur le talent, terrible. Il y a un point. Sur 500 jeunes, il y a un salaire. Il y a 7,5. Donc, chômage, il y a grave, mais le Congolais va toujours étudier. Bon, au Congolais, on tient la condition pour salaire salaté. Regardez à l'est, qu'on a une exploitation artisanale à la minière. Il y a des femmes enceintes qui étaient en train de mourir. Il y a des jeunes, des mineurs, pas mineurs, celui qui travaille dans la mine, mais mineurs en âge. Dans la degré, ils sont motivés pour pouvoir gagner leur vie. Les Congolais n'est pas paresseux. C'est un travailleur, c'est un bâton, c'est un courageux. Mais ce qu'il faut, c'est l'accompagner et que l'État mette en place des fondamentaux qui puissent permettre l'émergence, l'éclosion des citoyens congolais et de cette classe moyenne dont le chef de l'État a si fièrement et intelligemment parlé. Merci. Ah, merci, honorable Bonina. Merci, Nanenge Susu. On y met quoi, Mabiso, dans la résidence, na Yopo. Tout le monde, parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils sont en train de se faire. En tout cas, je remercie vraiment ma casse honorable Bonina. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Ouais, merci, merci pour la lettre. Donc, je suis abonné à la chaîne. Donc, je suis abonné à la chaîne. Donc, je suis abonné à la prochaine.